Eh bien, je participe à ce moment de réflexion pour la campagne conduite par Yann Brossat au nom du Parti communiste français pour faire en sorte que l'Europe ait une véritable dimension sociale. Beaucoup en parlent, le Parti communiste fait des propositions, des réflexions et ne se résigne pas à l'austérité, aux politiques de régression sociale. C'est un des seuls partis qui parle encore de progrès et d'Europe sociale. Je suis donc là pour encourager cette démarche politique. Moi, je suis un responsable associatif d'association de lutte contre l'exclusion. Et on a besoin d'une gauche de combat en France et en Europe pour défendre les droits des plus précaires. On voit qu'en Europe, comme en France, le nombre de personnes pauvres augmente, le nombre de personnes sans domicile fixe augmente, le nombre de mal logés, de personnes qui ont des difficultés de pouvoir d'achat, d'emplois précaires augmente. Et il faut donc un programme qui nous permette de renverser cette logique libérale qui crée de la pauvreté dans le pays et en Europe. Et c'est la liste de Yann Brossat qui porte cette ambition. Je le soutiens aussi parce que Yann a un discours sans ambiguïté sur l'accueil des migrants. Il considère que la France et l'Europe ont un devoir d'accueil et d'accompagnement des demandeurs d'asile. Que ça fait partie, je dirais, de la mission historique de l'Europe depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et moi, je soutiens ce discours sans ambiguïté à gauche. Bien évidemment, je suis là pour soutenir la liste des communistes conduite par Yann Brossat. J'ai été parlementaire européenne pendant 10 ans, donc je suis bien placée pour savoir combien c'est important d'avoir des parlementaires européens, européennes. J'ai travaillé avec Patrick Le Garic et Marie-Pierre Vieux avec beaucoup de plaisir et je souhaite que ça continue et que les communistes soient français, soient toujours présents au Parlement européen dans ce groupe de la gauche unitaire européenne, gauche verte nordique, à laquelle j'ai eu tellement de plaisir à travailler, pour mener des batailles, pour être des lanceurs d'alerte, mais aussi pour constituer des majorités alternatives, parce qu'il nous arrive de constituer des majorités alternatives, notamment quand on a l'appui citoyen derrière nous. Et je crois que c'est ça qu'il faut encore construire. Donc je pense que j'ai plein de travail à faire encore avec mes amis communistes. Hola, soy Cira Rego, soy candidata de Unidas Podemos al Parlamento Europeo de España. Estamos aquí para participar en la presentación de la candidatura a las elecciones europeas del Partido Comunista Francés para dar apoyo al camarada Yann Brossat. La verdad es que es un auténtico placer estar aquí. Estamos muy animadas, con muchísima fuerza. Europa necesita un grupo parlamentario europeo muy, muy fuerte, con mucha gente que crea en que hay que cambiar las cosas radicalmente de arriba abajo. Por eso estamos encantadas de darle el apoyo al camarada. Et creemos además que le va a ir muy muy bien. J'aime beaucoup beaucoup Yann, que j'ai un peu appris à connaître dans cette campagne. Et puis une liste qui mérite vraiment, je pense, la confiance des gens qui n'aiment pas les politiciens, parce que ce sont des hommes et des femmes qui sont représentatifs de la société française. Et puis on a un magnifique président du comité de soutien, avec M. Battili, qu'on appelle le héros de l'hypercachère, un travailleur immigré qui, au péril de sa vie, sauve des personnes. Je trouve que c'est formidable, je me sens très à l'aise dans ce comité de soutien. Je pense que les élections européennes sont quand même importantes, surtout si on a une position critique par rapport à l'Europe. Et je trouve que la liste qu'il défend, elle défend des positions qui me paraissent correctes, à la fois sur la question du travail, du logement, à laquelle il a beaucoup contribué, et aussi sur la question des libertés et de la démocratie. Il faudrait faire une Europe sociale, une Europe populaire, et je crois que ce qui se passe ce soir, c'est la preuve qu'il y a de l'espoir et il y a une volonté de ralliement culturel, populaire, social et gardons espoir. Voilà. Donc je suis là pour avancer, pour donner un grand coup de pied à cette oligarchie européenne et française qui nous fait gerber. Je suis là parce que je me suis dit quand même que c'était un bon moment pour commencer à se mouiller un petit peu plus que d'habitude. Il y a un peu urgence. J'avais cette sensation-là d'urgence. Je pense que c'est important. J'aime beaucoup d'ailleurs l'humain d'abord. Tu vois, c'est pour moi, ça me parle. Donc tu vois, ça me parle. Et là, j'ai trouvé que c'était pas mal. L'Europe des gens contre l'Europe de l'argent. Tu vois, c'est une rime très riche.
Et moi, les rimes comme ça, ça me va, ça me plaît. En tant que réalisatrice, moi, ce que j'aime, c'est filmer les gens. Donc là, l'Europe des gens, ça me parle. Et je crois vraiment que c'est pas qu'un slogan, cette liste, que ce qu'elle propose est vraiment... vient de plein d'univers différents, de plein de sincérité, quoi. Et je trouve que mettre tout ça en commun, c'est très, très beau, quoi. Voilà, donc moi, je filme les gens, je suis pour l'Europe des gens.